Allô les petits copains. Allô Athéna, comment ça va aujourd'hui ma puce? Ça va. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Le bus des Pet Shop. Le bus des Pet Shop, c'est un food truck, le food truck Pet Shop. Yes. Donc ça c'est la suite de notre trilogie spéciale Pet Shop. Allez voir les deux précédentes vidéos Pet Shop Galaxy et regardez. Regardez comme il est beau. Oh, magnifique ce food truck Pet Shop. Je vais t'aider à l'ouvrir bien sûr. Et après tu vas pouvoir jouer. Regardez, ça se présente comme ça. Avec plein de petits Pet Shop qui sont à l'intérieur. Allez, moi je veux. Il y a une roue. Ah vas-y, montre les Pet Shop Galaxy. Oui, effectivement, ce qu'on a eu dans la précédente, les deux précédentes vidéos. Voilà. En plus, on avait fait un super challenge très rigolo dans de la pâte à modeler. Alors. Voici donc le food truck que je vais ouvrir. Et là, on peut voir des petites figurines et ça. Donc là, ce sont des Pet Shop, on va dire, classiques. Ce ne sont pas les Pet Shop Galaxy, mais bien sûr, on peut jouer aussi avec les Pet Shop Galaxy à l'intérieur. Il n'y a pas de raison. Donc, il y a plein de choses. Regarde, on peut présenter les petits Pet Shop ici. C'est trop sympa. Waouh, et là également. Très bien. Et voilà. Donc, c'est Hasbro, merci à Hasbro. Et on peut se mettre ici pour vendre des petites choses à manger. Exactement. Et là, il y a des petites choses à manger. Donc, merci, je disais à Hasbro, voilà, pour nous avoir envoyé ce food truck. C'est une vidéo sponsorisée par Hasbro. Là, je voyais 15 plus, et je pense que ce sont des accessoires. À moins que ce soit un food truck réservé à tous les enfants qui ont 15 ans et plus. Mais je ne crois pas. Tiens, Athéna, je te laisse l'ouvrir au début, et après, je t'aiderai si tu veux. Comme ça. J'y arrive, hein. Ah oui, bravo. Oh. Oui. Ça, c'est fait. En tout cas, il est joli, ce food truck rose Pet Shop. Tu t'en sors? T'as besoin d'aide? Non, mais c'est qu'en fait, que c'est un petit peu roulé. Du coup, il faut que je fasse ça. Hop là, ça y est. Voilà. J'ai enlevé une partie. J'enlève l'autre maintenant. Moi je peux le faire comme une grande, mais je pense que ceux qui sont un petit peu moins de 6 ans, il faudrait qu'ils s'aident avec un adulte. Voilà. En fait, j'enlève les petits. Et il reste plus qu'à enlever celui-là. Ah, j'ai coupé. Ok. Heureusement, ça se casse pas. Et voilà, ça se casse pas, ouf. Je crois que ça va se casser, moi. Allez, on va se soulever comme ça. Oui. Ouais. Oui, réussi. Oui. Bravo. Magnifique petit camion. Regardez. Wow. Alors celui-là, il est trop joli. Donc, on a les petits cartons enlevés. Hop, là ça roule. Génial. Est-ce que maintenant tu veux enlever les petits Pet Shop et le petit présentoir? Et on se retrouve une fois que c'est fait pour vous présenter ce food truck. Et ben voilà, ça y est, il est monté ce food truck. Regardez, on a la petite roue ici, puis on peut mettre les aliments ici, parce que forcément un food truck, pour ceux qui l'ignorent, est une sorte de restaurant qui roule. Donc forcément, pour vendre les produits, les aliments, les sandwichs, les tartes, les sodas, les bouteilles d'eau, tout ça, il vaut mieux que le camion soit arrêté et garé. Et après, hop, le petit, après on mettra ça ici, mais d'abord on va faire quelque chose. Ça c'est pour votre présentoir, voilà, pour vendre les petits produits quand vous voulez vous restaurer. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un food truck, Athéna? Non. Non, mais je t'en montrerai quand on en verra. Voilà, il y en a quelques-uns à Paris. Et bien quand on en verra, je te dirai, tiens, c'est ça un food truck. Et là, tu diras, ah, oh, c'est comme les Pet Shop. Alors, est-ce qu'il te plaît ce food truck? Oui. Oui. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des... Donc là, tout à l'heure, j'ai dit une bêtise hein, par rapport à la boîte. Hop, on a bien ouverte. Voilà, ici, les Pet Shop sur les côtés, ce sont bien sûr les Pet Shop qu'on peut trouver dans la collection des Pet Shop, mais qui ne sont pas tous dans le food truck. Mais nul doute que si vous aimez les Pet Shop, eh bien, vous en avez déjà plein et vous pouvez les mettre ici notamment. Voilà, c'est un présentoir. Tu crois que c'est pour mettre des Pet Shop, ça, là? Oui. Ou c'est pour mettre les sandwichs, les tartes, comme ça?
À mon avis, non, parce que c'est sur le toit du food truck. Bon, de toute façon, on fait ce qu'on veut, on peut faire des histoires. Donc là, c'est ce pet shop là qui conduit. Ah non, c'est le petit avec sa petite casquette. Après, c'est lui qui conduit. Ah bah, dis donc. Ah bah, dis donc, je sais pas s'ils vont arriver vivants. Hein. Et après, on va jouer au bowling avec le food truck pet shop. Ça va être trop rigolo. Alors, allez, alors. Petit poussin, tu conduis bien, hein. Quand même. Comment ça marche ce jeu? Explique-nous tout. Ce jeu-là? Ouais. En fait, normalement, il faut une boule et normalement, il faut des petites quilles. Normalement. Oh, en fait, il faut lancer. À la place de la boule, on a notre fameux food truck. Mais à la place de la quille, on a des petits. C'est ce qu'on avait servi pour faire. Le pancake challenge. Oui, le pancake challenge. Exact. Voici nos petites quilles. À droite. Alors, est-ce que tu es prête à essayer? C'est pas évident, hein. Là c'est large, donc des fois ça peut aller à gauche, des fois à droite. On n'a pas encore essayé avec les quilles. On a essayé une fois le toboggan, c'est rigolo. Donc toi je te conseille de bien conduire, hein. On va peut-être perdre des éléments, hein. On va pas les perdre parce qu'ils vont être ici. Alors attention, c'est quand tu veux, Athéna. Oh, pas mal, 5 sur 10, bravo Athéna. Ah par contre, attends, là maintenant, on enlève ça. On enlève ça et tu peux encore tirer une fois pour essayer d'avoir les 5 qui restent et tu peux faire un spare. Allez, tu conduis bien encore, petit poussin. Vas-y, je compte les points. Oh, à côté, ça fait 5 sur 10, bravo. Encore? Oh. Encore. Allez, les quilles sont en place. 1, 2, 3. Comme j'ai pu, ça a été rapide. Et là, bon, tu as fait 8. Allez, deuxième tir pour essayer d'avoir les 2 qui restent. Alors, toujours 2. Encore. Athéna, est-ce que tu es prête pour ton troisième tir? Regardez, il y a même la GoPro embarquée. Je crois que je suis passé devant. Alors, attention, Athéna, 3. 2, 1. Ouh, non. Yes. Presque au strike. Allez, il faut que tu essayes d'avoir la dernière. Alors, pour avoir le strike, il faut pencher un petit peu. Ah, essaye de bien viser, ouais. Net. Athéna, est-ce que tu es prête pour ton dernier essai, Athéna? Alors, attention, oh là, attention, concentre-toi. Regardez, les qui sont là. Le pet shop est ici. 3. On te voit aussi, Calice. Non, mais tu peux rester. Mais sache qu'il y a une GoPro dans le food truck. Coucou. Calice est revenu de l'école. Alors, attention, Athéna. Est-ce que tu es prête? Oui. On te regarde. Attention, il y a les supporters. 3, 2, 1. C'est parti. Trop drôle. Alors, il y en a qui ont survécu ou pas? Donc là, encore 7... Encore 3, pardon, tu as marqué 7 points. Il y en a qui ont survécu. Il y en a qui ont survécu. Et oui, bravo, tu as mis plein de petits pets dessus. J'ai mis plein de petits galaxies et il y en a qui ont survécu. Attention. Voilà, j'ai enlevé Becky récalcitrante. T'en restes 3. Si tu fais un spare, ce sera ton record de la journée. Attention, c'est quand tu veux. Elle a jeté le cousinou. Champion du monde, alors t'en penses quoi de ce food truck pet shop? Très bien. Yeah, j'espère que vous avez aimé aussi, vous. Alors en version bowling, c'était drôle. Avec la GoPro. Bon, Athéna, ça t'a plu? Oui.
C'était trop bien avec ce bowling, avec ce food truck Pet Shop. Merci encore à Hasbro. Eh bien, tu peux jouer avec Athéna. Voilà, amuse-toi. Et puis, on se retrouve bientôt sur Studio Bubble Tea. Gros bisous à Kid Puce. Et puis, à bientôt. Et surtout, n'oublie pas. Soyez vous, soyez bien, soyez bon et vivez vos rêves. Oh, okay.